Please be seated. The court is now in session for the proceedings in case 002/02. Today, the chamber will hear the testimony of a civil party named Chan Tim. As the chamber informs the parties on Friday, last week, and also the notification was sent by an email by the senior legal officer of the trial chamber. Monsieur Huang, please report the attendance of the parties and other individuals at today's proceedings. The Greffier, Mr. President, for today's proceedings. All parties to this case are present. Mr. Nunchi is present in the holding cell downstairs. Monsieur he has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. A civil party who is to testify today, that is Mr. Pan Tim. Pour ce qui est de Monsieur Pan Tim, is waiting to be called by the chamber in the waiting room. Il va déposer aujourd'hui, il est à présent we also dans la have salle a reserve witness, 2TCW8809. This witness confirms that, through his best knowledge, he has no relationship by blood or by law to any of the two accused. There is no G and Kyiv some form, or through any of the civil parties admitted in this case. The witness will take an oath before the Iron Club statue this morning before his testimony. He has Mr. Sowan as his duty counsel. President, thank you. Ms. Jessie Huang. Le Président, merci. The chamber now decides on the request by Nunchia. The chamber has received a waiver from Nunchia dated 21st April 2015, which states that due to his health, that is headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his rights to participate in and be present at the 21st April 2015 hearing. He advises that his counsel advised about the consequence of this waiver, that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be tried fairly or to challenge evidence presented or admitted to this court at any time during this trial. Having seen the medical report of Nunchi by the duty doctor for the accused of the ECCC dated 21st April 2015, who knows that Nunchi has a back pain when he sits for long and has a dizziness, and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nunchi his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. As Nunchi has waived his rights to be present in the courtroom, the chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that he can follow the proceedings that applies for the whole day. Court officer, please usher Mr. Pan Tim into the courtroom. Veuillez faire entrer Monsieur Pan Tim dans le prétoire.
President, good morning, Mr. Tan Tim. Bonjour, Monsieur Tan Tim. Today, the chamber will hear your testimony. La chambre va entendre aujourd'hui votre déposition. And the chamber already informed you about today's proceedings during your last testimony. That is on the 2nd April 2015 when you were called to provide your statement of impact. Du fait que vous and in faire that proceeding, you mentioned some facts, and as a consequence, the parties made a request to the chamber to hear your testimony in relation to those facts. À pouvoir vous entendre par rapport à ces faits aujourd'hui. The chamber would like to inform the parties and the public that the chamber already asked du fait Mr. Tan Tim about his personal background on the 2nd April 2015. Venait, so there is no need for the chamber to repeat the same formality. And Mr. Tan Tim, for today's proceedings, you will be given an opportunity vous allez avoir la to make a statement of impact of what happened to you during the democratic Cambodia regime, ce qui vous est arrivé if you wish to do so. Si vous souhaitez le faire, bien entendu. Pursuant to Rule 91 bis of the ECCC Internal Rules, the chamber will give the floor first to the lead co-lawyers for civil parties. Pour les parties civiles. And the combined time for the lead co-lawyers and the prosecution is for one full morning session. And you may take the floor. Ce matin. La co-avocate principale a la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. J'aurai quelques courtes questions pour vous, Monsieur la partie civile. Vous nous avez dit la dernière fois que vous étiez dans un camp de réfugiés à Phnom Penh le 17 avril 1975, que vous aviez d'abord été transféré dans le district de Kirivong, to Kirivong district. Et puis qu'en 1977, et je vous cite, je cite le transcript, I quote from the transcript, vous nous avez indiqué à 10h43-22, qu'en 1977, vous aviez à nouveau été déplacé vers le village de Trapeantong Kanchong, district de Tramkok, province de Takeo province. Ma première question, Monsieur la partie civile, c'est comment et dans quelles conditions avez-vous été transféré du district de Kirivong au village de Trapeantong Kanchong dans le district de Tramkok en 1977? Que pouvez-vous nous dire de ce transfert? About this transfer? I was evacuated j'ai été évacué from Kirivong district, du district to Drapeantra village, Drapeantong Kanchong commune, Tramkok district in Takeo province. I was transported in a vehicle to j'ai that location. D'un véhicule pour me rendre là-bas. Avez-vous fait le voyage seul did you travel ou avec alone, des membres de votre famille with, et d'autres personnes dans le véhicule que vous mentionnez? And, with other people in the vehicle that you just described. In the vehicle, there were my elder sister, à bord de ce véhicule, il y avait ma mother, aînée, ma mère, and my family members and my et wife. D'autres membres de ma famille, ainsi que ma femme. Aviez-vous des enfants à l'époque? Did you have children back et then? Si oui, ont-ils fait le voyage avec vous? And if you had children, did they travel with you? Bah,
At that time, I had two daughters. À cette époque, j'avais deux filles. And they traveled with us. Elles ont voyagé avec nous. Je vous remercie. Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce qui s'est passé une fois que vous êtes arrivé à destination finale dans le district de Tramcock district? When I arrived in Tramcock district, lorsque je suis arrivé dans le district de Tramcock, one of my nephews died. That is the son of my elder sister. It happened due to the overcrowded transportation in that vehicle. Au fait que nous étions trop nombreux à bord de ce véhicule. I was assigned to an Oxcart unit. J'ai été affecté à and my wife was assigned to a female unit to engage in the rice transplantation, and I was in the transportation unit. Et moi, j'ai participé aux travaux de l'unité de transport. One day, I was assigned to carry timbers. Un jour, on m'a demandé d'aller transporter du bois mountain. Dans la montagne de Trompong Tambok. There were about 50 ox carts at that time to go and transport the timbers. À ce moment-là, pour le transport du bois. And we returned around 7 or 8 o'clock in the evening. Nous sommes rentrés vers 19h ou 20h. After I unloaded the timbers from the cart. J'ai déchargé le bois. Took the cart back to the et j'ai unit. Ramené la charrette à mon unité. Then I fed the cow with hay. Ensuite, and then I was about to rest for the night. Et je me suis reposé pendant la nuit. I was just about to lay on the floor. Mais then Ta Pon, the chief of the Oscar unit, asked me to go and to accompany him to a meeting. Bon it was at the night time, and I thought that I would dit, die. C'était la nuit. J'avais peur de mourir. Because the base people never called the 17 April people to accompany them to a meeting. Because such meetings were secretive. Ces réunions étaient des réunions secrètes. And I thought that I would die. J'ai donc pensé so que j'allais mourir. I accompanied him to the meeting. Je l'ai suivi à cette réunion. He was walking in front of me and I was behind moi, him. J'étais derrière lui. And when we arrived at the location of the et militia unit, there was a watermelon plantation just opposite. Plantation de pastèque à côté. And he said that he would go to get a watermelon from the il militia. M'a dit qu'il allait so I went along. Chercher une pastèque. And auprès des miliciens. There were je about four or five militiamen who came out. Miliciens. Tied me up sont sortis, as they tied attaché, my hands behind ils my m'ont les back. Mains derrière le dos. And Tapon just disappeared. Tapon a disparu. The militia pushed me into a room. Les miliciens m'ont they beat me up. M'ont poussé pour que they j'entre dans une salle. Interrogated où ils m'ont me. Battu. Ils m'ont interrogé. They kept beating me up, and I said that I did not have any rank, or alors même que je disais que that je I was not a military officer. I was only a laborer selling firewood moi, just je ne faisais que for vendre du bois, just to rest my family. Pour
And the living was the gain from selling wood was only for a daily living. Je vendais du bois pour survivre, pour gagner mon pain but quotidien. But they did not believe me and they Mais kept beating me up. Et ils ont continué they changed hands one after another in doing so. Ils l'ont fait l'un après l'autre. And they threatened me to tell them the truth. Menacé, ils m'ont that I was a lieutenant in Phnom Penh, and if I were to tell them the truth, then I would be free. Si je disais la vérité, alors je they pourrais said être that relâché. My children told them about dit que c'était mes enfants my rank. Parler du poste my children at that time were rather young. L'armée. They were about 6 or 7 years old, and they were in the children unit. Mes enfants avaient 6 ou 7 ans à l'époque. And et personally, ils étaient I did not know what my children said et about je me. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit à mon sujet. Whether they were threatened to say. Peut-être qu'ils ont été menacés. That kind of thing about me. De dire ce genre de choses à mon but propos. That, that's what I was told by the en militia. En tout cas, c'est ce que m'ont dit les miliciens. That I was a lieutenant in the army. On leur avait dit que j'étais lieutenant au sein but de l'armée. But I told them no, I was not a soldier. J'ai répondu que non, I que je n'étais pas soldat. By selling firewood. Et que je gagnais ma vie en vendant du bois. And that was just enough to feed my et que cela family suffisait. Members. À nourrir ma famille. Thank you very much. Je vous remercie, monsieur la partie civile. Vous indiquez que les miliciens vous ont dit que c'était vos enfants qui leur avaient dit que vous étiez un ancien officier de l'ONLOL. Est-ce que vous avez eu la possibilité, après le régime, de parler avec vos enfants de cet épisode? Et si oui, que vous êtes-on dit? Speak to your children, what did they say to you? You talk about after the Lonol regime, because the Purple regime came after the fall of the Lonol regime, so I don't seem to get your question. Je n'ai pas bien compris votre question. Lorsque vous avez retrouvé vos enfants, puisque vous nous avez indiqué la dernière fois que vos deux filles avaient survécu, children, lorsque vous avez retrouvé vos enfants, avez-vous eu l'occasion de parler, so donc on se situe again, après 79, avez-vous eu l'occasion de parler avec vos filles de cet épisode, et ont-elles confirmé qu'elles avaient donné votre nom aux miliciens? My children told them that I was the one who told them to steal sugar cane, for example, and they were threatened to say that I was a soldier with the rank of a lieutenant in Phnom Penh. And because they were young, they just said what they were told to say because they were threatened, they were tortured. Je vous remercie. Vous avez indiqué thank que vos enfants you étaient dans, un, dans une unité pour enfants. Part of a children's unit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de quel moment vous avez été séparés de vos enfants, si vous aviez la possibilité and de leur rendre visite? Comment se passaient les relations avec vos what enfants kind à l'époque, avant votre arrestation? Did you maintain with your children back then, before your arrest? I did not have any contact with my children. I did not have the opportunity to meet them. Je n'ai pas pu les rencontrer. In fact, we were allowed only to meet every 10th day, en fait, that is on the 10th, 20th, or 30th. And it doesn't mean on that day we were not allowed to go to work. But we only allowed to meet briefly during the night time. Nous pouvions nous rencontrer brièvement le soir. I did not see them because when I went there, they were not at their place of residence. Je suis allée là-bas, maybe they went somewhere, they went to the forest, vivre, and sometimes they were already asleep. When parfois, I went there. Lorsque j'allais là-bas.
And whenever I was allowed to visit my family, lorsque j'avais la permission d'aller voir ma famille, looked for my children, but usually they were not there as they went to scavenge for food or for sugar cane. De la nourriture, de sucre de palme, la canne à sucre. Je vous remercie. Vous a-t-on expliqué pourquoi les familles étaient séparées et pourquoi vous ne viviez plus avec vos enfants et avec votre femme? With your children and with your wife. That did not only happen to my family, but it happened to everyone during the regime. Tout le monde était concerné. We were not régime. Allowed to live together with Nous our family members or with our wife. The children were separated and placed in a children's unit, and the wives would be put in the female unit, and as for us, the husbands, we were placed in a male unit, les and hommes, we had to do what we were assigned to do, for example, d'hommes. To plow the rice field or exemple, to engage in transportation. Vous nous avez indiqué tout à l'heure que vous alliez rendre visite à vos enfants le soir ou la nuit. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi vous alliez les voir à une heure aussi tardive? Because we were in our respective unit. And nous étions dans nos unités respectives only allowed us to meet our family members every 10th day. Les membres de notre famille uniquement and during tous the daytime on that day, we still worked and we could only go at night time. Pendant la journée, nous devions continuer à travailler et and nous pouvions when I went soir, to see my family members at night time, rarely I saw my children. Je ne voyais finalement que très rarement as, mes they enfants, were young and car ils étaient they jeunes, in a children unit and they ils did not have enough food to eat, ils n'avaient pas so suffisamment à manger, to, look for food ils allaient donc chercher de la nourriture à l'extérieur, ils allaient essayer de cueillir des fruits. Et enfin, ma dernière question, compte tenu du temps qui nous est alloué ce matin, qu'en est-il des autres membres de votre famille? Vous avez indiqué le sort de votre épouse et de vos deux enfants. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé aux autres membres de votre famille à partir du moment où vous êtes arrivé à Tramcock? I had an elder sister who had a son qui avait elle-même un fils. When we arrived in Tramcock district, the son died from overcrowd on the vehicle, and in fact, we arrived at night time. La charrette, le véhicule était trop bondé, et nous sommes arrivés là-bas la nuit. Je vous remercie, monsieur la partie civile. Je n'ai plus de questions, monsieur le Président. I have no further questions, Mr. President. Thank you. Le Président, merci. The chairman would like now to hand the floor to the co-prosecutors. À l'accusation. Merci, bonjour, monsieur le Président. Bonjour. Thank you. Madame morning, et messieurs les juges, et chacune des parties présentes. Bonjour, monsieur la partie civile. Good morning, vous avez déjà répondu à quelques questions le 2 avril dernier, mais j'en ai d'autres aujourd'hui et nous avons un peu plus de temps. Donc, j'ai l'intention également de vous montrer certains documents. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez me dire, puisque vous étiez dans un camp de réfugiés au moment de l'évacuation de Phnom Penh, pourquoi vous vous étiez retrouvé dans ce camp de réfugiés? Can you tell us why qu'aviez-vous you found fui? Yourself in that refugee camp? Why did you flee to that refugee camp?
That time we were afraid of the Vietnamese. À cette époque, nous avions peur des Vietnamiens. Dong Chen with a skull symbol. We were so afraid of them. Un symbole de crâne. They came to cause troubles along the border. So we fled, and then we arrived at the Ho Bac Om refugee camp. Nous avons fui, nous sommes arrivés dans le camp de réfugiés de Ho Bac Om. Donc avant d'arriver, avant de fuir vers le camp de réfugiés, est-ce que vous habitiez bien la commune de Saum, district de Kirivong, province de Takeo? Et est-ce que c'était le long de la frontière vietnamienne? And was that along the border between Cambodia and Vietnam? Yes, that is correct, as it was located along the Vietnam-Cambodia border. C'était le long de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Je crois que vous avez dit devant les juges d'instruction et dans vos documents également de constitution de partie civile que vous étiez un Khmer originaire du Kampuchea Krom ainsi que votre femme. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand votre famille était-elle installée au Kampuchea Krom? Can you tell us when your family settled at Kampuchea Krom? Response, in fact, I said I was born in Pul Pongro village, Saum commune, but my wife was in Kampuchea Krom, and later on she came to Kampuchea Lu, and that's when I met her. Et c'est là que je l'ai rencontrée. Bien, je vais citer un passage de votre procès-verbal d'audition devant les juges d'instruction. Et peut-être pour vous faciliter la tâche, je vais vous remettre ce document avec l'autorisation de la Chambre. Il s'agit du document E319-12.3.8. Et la réponse qui m'intéresse, c'est la réponse 20 et puis 55. Monsieur le Président, est-ce que je peux lui remettre ce procès-verbal? May I request your President to show this document? Yes, you may proceed. Je vous en prie. Donc tout d'abord la réponse 20. Et à l'intention des interprètes, je vais la citer en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction française actuellement de ce document. So I quote, for those who had fair complexion and could not speak Khmer language well, like the Khmer Krom people, they regarded them all as the Vietnamese. And eventually they would take them to be killed. Et ils étaient emmenés pour être exécutés. Question 21. Who do you refer to as they? De qui parlez-vous lorsque Answer, vous dites c'est ils? I refer they to the militia units. C'était les unités and de village and cooperative chairpersons. Les chefs de communes et de coopératives. End of quote. Fin de citation. À la réponse, je continue avec la réponse 55 du même document. I will continue to answer number 55 toujours en anglais. On the same document, and again I'll quote I in quote, English. They identified them by the Khmer language accent and clothing. For instance, women wore trousers and shirts like Vietnamese ladies. I also knew that the Khmer Rouge had taken the Vietnamese to be exchanged for Khmer Krom. Ils avaient échangé des Vietnamiens contre des Khmer Krom. Si je résume bien vos déclarations devant les juges d'instruction, vous avez cité trois moyens qu'avaient les Khmer Rouges d'identifier les Khmer Krom. Le premier, ne pas bien parler Khmer ou parler avec un accent. Deuxièmement, avoir le teint clair. Ou troisièmement, porter des vêtements comme des Vietnamiens. La question est la suivante. Est-ce que les cadres Khmer Rouges du district de Kirivong
et plus tard de Tram Kak recherchaient en particulier les Khmer Krom parmi les gens du 17 avril qui étaient arrivés sur place. President, Mr. Sivapati, please wait, and Councillor Coppé, you have the floor. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. I object to this question because this question relates to a topic which is outside the scope of this trial, outside of this segment. Treatment of the Khmer Krom, the people from Cambodia Krom, is not part of the second trial, so this question should not be asked. Donc il ne faut pas poser cette question. Monsieur le Président, si je peux répondre, cette objection a déjà été soulevée plusieurs fois, il a déjà été répondu à plusieurs reprises que l'ordonnance de clôture et les passages concernés qui concernent ce procès faisaient état d'exactions à l'encontre des Khmer Krom. Et donc, je pense qu'il est utile et nécessaire de poser ce type de questions durant ce procès également. President, the chamber gives the floor to Judge Claudia Fens to respond to the objection of the defense counsel to the last question put by the deputy international co-prosecutor. You may now proceed. The Chamber notes that it is seized with a request to clarify the indictment in connection with the Khmer Krom. The decision will be issued in due time. Until then, these questions are allowed specifically since in this case they also relate to the 17th of April people. Merci. Je vais reposer ma question, Madame Monsieur le Parti civil. Est-ce que les cadres Khmer Rouge du district de Kirivong ou plus tard de Tram Kak, où vous avez séjourné, recherchaient en particulier les Khmer Krom parmi les gens du 17 avril qui étaient arrivés sur place? Answer.
leaders in Kiriwong district and leaders in Tramka district de Kiriwong et les dirigeants dans le district de Tramka did not try to search for Khmer Krom. Ils ont essayé de rechercher les Khmer Krom. Unless there was a report on the matter, à they would go and search for Khmer Krom. Au sujet de ces personnes. Vous avez dit également à la réponse 54 you also stated même de, du même procès-verbal d'audition qu'il était assez difficile de distinguer un Khmer Krom parmi les gens du 17 avril. A Khmer Krom and, a 17 April. Vous avez également dit dans l'autre, dans la réponse 55, vous avez parlé du fait qu'il y avait des échanges entre Vietnamiens et Khmer Krom. Que savez-vous de ces accords, de ces échanges auxquels procédaient les Khmer Rouges avec le Vietnam, donc pour échanger d'une part des Vietnamiens contre des Khmer Krom d'autre part? I did not know about this matter, particularly about the exchange program. In fact, there was a swap between Vietnamese and Cambodians. Un échange entre Vietnamiens et Cambodgiens. Est-ce que vous avez vu à plusieurs reprises des Vietnamiens être convoyés vers la frontière ou bien des Khmer Krom arrivés dans les endroits où vous avez travaillé? Ou bien encore, n'avez-vous seulement qu'entendu qu'il y avait un programme d'échange mais vous n'avez pas vu ce qui s'était passé? I heard of it. I never witnessed it. Mais je n'en ai jamais été témoin. Est-ce que vous avez entendu si ces échanges ont cessé à un moment donné, à un moment précis du régime? Did you hear that such exchanges ceased at any point in time during the Khmer Rouge regime? Answer, I did not know when the swap ended. Je ne sais pas quand ces échanges ont pris fin. Est-ce que vous avez jamais appris que des Vietnamiens ou des Khmer Krom assimilés aux Vietnamiens avaient été exécutés dans le district de Tram Koc ou ailleurs dans la zone sud-ouest? President, please hold on. Civil party, you may now proceed. Council Kong Samon. Council Kong Samon. Thank you, Mr. President. I would like to raise my objection to this question because the international deputy co-prosecutor is now making a conclusion on the fact. It was not the response from the civil party that Khmer Krom were considered a Vietnamese. And this conclusion contradicted with the answer of the civil party. Civil party already stated that Cambodia Krom people were not searched for unless there was a matter in relation to an individual. At that time, there would be a search for Khmer Krom. Merci. Je sais ce que la partie civile a dit, mais j'ai cité. I know il what a dit à la réponse 20 du document E319/12.3.8, où il a dit que ceux qui avaient le teint clair et ne pouvaient pas parler Khmer
proprement, ou bien étaient regardés ou considérés comme des Vietnamiens. Est-ce que je suis autorisé à poser ma question, Monsieur le Président? May I proceed with my question, Mr. President? The objection of the council is overruled, and the civil party is instructed to give your response to the last question put by international deputy co-prosecutor. If you do not recall the question, the international co-prosecutor may be asked to put the question again. Merci, je crois que je vais la reformuler. Est-ce que vous avez jamais appris durant la période où vous avez travaillé dans le district de Kiribong, puis dans le district de Tram Kok, des Vietnamiens ou des Khmer Krom assimilés aux Vietnamiens avaient été exécutés dans ces zones par les Khmer Rouges? When I was living in Kiribong district, there was such a case. Il y a eu un tel cas. Khmer Krom spoke with accent. They did not speak very clearly, and Vietnamese also spoke Khmer unclearly. Eux aussi parlaient Khmer de façon. And those people were considered Khmer Krom or Vietnamese, though with a white complexion, with fair complexion, and spoke with accent would be considered Khmer Krom. They disappear, and I did not know whether these people were killed. They did not stay there after their time. Bien, j'en viens aux personnes qui occupaient des fonctions d'officier dans l'armée de l'ONOL ou qui étaient des hauts fonctionnaires de l'ONOL. Je vais d'abord lire des extraits de ce que vous avez dit devant les juges d'instruction et vous poser des questions supplémentaires. Dans le document que je vous ai remis, c'est à partir de la réponse, ou la question plutôt, 44. Donc je vais citer une nouvelle fois en anglais un certain nombre de réponses et de questions. Some of the questions. Question 44, I quote. I'll quote in English. When you were in Svai Voa village, did you know if there were people killed? Answer 44. Yes, they were. Oui. Khmer Krom people had the rank of an officer. In Svai Voa village, the Khmer Rouge propagandized that those who were officers during l'ONOL regime would be allowed to resume their positions in the army, and then they would be dispatched to fight the Yuen. But in fact, they were all taken to be killed. Answer 45. I remember that Ping, a Khmer Krom citizen, told them that he was a lieutenant colonel. Actually, this was the trick of the Khmer Rouge to identify what we were in l'ONOL regime.
C'était une astuce qu'utilisaient les Khmer Rouges pour identifier tous ceux qui faisaient partie du régime de l'Homme Non. Et sur 46, toutes ces personnes ont été emmenées pour they just wanted to deceive the ones who used to work for the Lon Nol regime, such as soldiers and teachers, and so on, to show up and take them all to be killed only. Your answer, 48. The announcer was the Svaevo village chief. C'était le chef du village de Svaevo. And lastly, answer 53. Quote, after the propaganda, the ones I were acquainted with all disappeared. End of quote. La première question est la suivante. Est-ce que dans le village de Svaevo, beaucoup d'anciens militaires ou de fonctionnaires de Lon Nol ont cru les Khmer Rouges et ont mentionné leur profession antérieure? Mentioned their previous professions. When we were evacuated from Phnom Penh and arrived in the Svaevo village, after 4 or 5 days, there was an announcement that une annonce a été diffusée. Those who had ranks, they would be reinstated. Those who were teachers, they would be allowed to go back and teach. Réintroduits dans leur fonction, ceux qui étaient for those who did not hold any ranks, qui n'occupaient aucun rang, qui n'avaient aucune fonction, aucun because rang, they heard that they would receive a rank, and these people said that ils avaient entendu que si ils they were soldier or they were first or second quoi que ce soit d'autre, alors ils ont dit lieutenant. Qu'ils étaient lieutenant ou autre. These people were taken away. I did not know where they were taken to. After the announcement, these people disappeared. Après l'annonce, ces personnes ont disparu. I was not allowed to find any information on this matter. Est-ce que par la suite vous avez jamais entendu, même après le régime, que certaines de ces personnes avaient survécu? Je pense particulièrement à Ping que vous avez cité. Est-ce que vous l'avez revu par la suite? Ping, you made mention of. Were there any other persons like him who survived? Bye. Mien đời thà đò cao lắm người chứ. Réponse. In fact, at that time there was an announcement that those who had any ranks en fait, or those who had been a teacher would be reinstated. Two people pourraient occuper declare and admitted that they had ranks before and asked for Peng. He stood up and admitted that he had ranks before. After that time, he disappeared. Bien, est-ce que vous avez entendu durant le régime des Khmer Rouges, ou est-ce que vous avez appris à cette époque-là, si le même type d'annonce a été diffusée dans d'autres villages du district de Kirivong ou dans le district de Tramkok pour pouvoir identifier les soldats ou les fonctionnaires de Lon Nol. Identifying ex-Lon Nol soldiers or civil servants. Answer. From what I know, de ce que je sais, it was in Kirivong, there was such an announcement. After I arrived in that place for 4, 5, or 10 days, there was such an announcement. And I was living in Tramkok district for a period
of time, and after that I was transferred to another place. In fact, there was such an announcement in Kirivong district. Et il y a eu une telle annonce dans le district de Kirivong. Très bien, j'en viens maintenant à votre transfert du district de Kirivong vers celui de Tramcock. L'avocat de la partie civile a cité tout à l'heure ce que vous avez dit à l'audience du 2 avril, disant que c'était en 77 que vous aviez été déplacé vers le village de Traping Tom Kang Chung dans le district de Tramcock. Est-ce que vous pourriez nous dire qui dans le village, je crois, de Chimrik, où vous étiez, vous a annoncé que vous deviez quitter le district de Kirivong et partir vers celui de Tramcock. Réponse. In late 1977, fin 77, I was doing a farming in Swaiwar village. Je faisais de l'agriculture dans and le at that time, the group leader or the unit leader told de l'unité me that m'a dit I told us that we had to stop working and went to Wat Tapeng. Et aller à Wat Tapeng. I Tapa was the announcer at that time. Tapo est la personne when, qui a fait cette annonce. From Tramcock district to live in that place. Tramcock, il est parti de cet endroit pour aller vivre. At that time, the word "anka" was regularly referred to or used by commune committee. C'était le comité de la commune qui l'utilisait. Est-ce que vous étiez nombreux à Wat Kampeng lorsqu'on vous a annoncé que vous deviez quitter le district de Kirivong? Combien de personnes à peu près étaient rassemblées? How many of you had assembled? Answer. Actually, there were many of us gathering in that pagoda. All the the 17 April people who live in Swaiwar village, Chimre commune, were gathering in Wat Tapeng. There were many, many people. I did not know how many of them, and I could not give my rough estimate. There were hundreds of family homes. Merci. Est-ce que thank you. Tapa, si j'ai bien compris, celui qui vous a fait cette annonce Tapa, a demandé votre avis, ainsi que celui des gens du 17 avril qui étaient rassemblés sur place and that of those of the 17 avant April people assembled de procéder au transfert. Autrement dit, est-ce que vous avez eu le choix de partir ou de rester to the transfer? Did you have an opportunity to express your opinion on that order? Answer. Tapos said that now Angkala had to evacuate you all from this place because at that time there were fighting, there were sounds of firearms by the Vietnamese soldiers. They were afraid that we would be side with the Vietnamese. That's why all of us were evacuated. The boss said that all of us needed to be evacuated to live in Tramcock district. Et vous avez dit que cette réunion ne rassemblait que des gens du 17 avril. Est-ce que les gens du peuple de base
de ce village, for the base people from this village, des villages environnants ont and également from été transférés villages, vers Tramkak. Were they also transferred to Tramkak? Answer. Base people did not go anywhere. Only new people, only 17 April people, were transferred to Tramkak district. All of us were transferred to Tramkak district. Base people stayed there. Les gens du peuple de base sont restés sur place. Est-ce que vous avez jamais entendu Tapo ou d'autres cadres Khmer Rouge dire qu'ils avaient peur que vous fuyiez vers le Vietnam? That they feared that you would try to escape to Vietnam. Answer. Réponse. Khmer Rouge were afraid of this. Les Khmer Rouge avaient peur de cela. We were living close to Vietnamese. We were living close to Vietnam. That is why we were evacuated to live further away from the Vietnamese border. Plus loin de la frontière. Au-delà de votre and village, beyond your village, qui se situait, je which crois, was dans la commune de Trampeng, in Trampeng commune, I believe, est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres membres du peuple nouveau du district de Kerivong new people from qui ont Kerivong fait ce voyage district who vers Tramkak? To Tramkak? Answer. 17 April people, all of them were evacuated, were transported away. Ils ont été emmenés. Actually, all of 17 April people were evacuated. Et en fait, tous les gens du 17 avril ont été emmenés. Bien, vous avez dit dans la réponse fine, 64 de votre procès-verbal E319-12.3.8 que vous avez sous les yeux. Donc réponse 64, vous avez parlé de 5 camions qui vous ont transportés. Pourriez-vous nous dire combien il y avait de personnes dans chacun de ces camions qui vous transportaient vers Tramkak? At least there were 30 and 40 people in one truck. The truck was rather big. Dans un camion. Les camions étaient assez grands. Est-ce qu'il y avait des soldats Khmer Rouge qui vous accompagnaient lors de ce transfert Khmer Rouge soldiers with you ou qui when you were being transferred or were there Khmer Rouge soldiers there to watch you? Answer, no, there weren't. No. There were only drivers and there were no other Khmer Rouge on the track. Est-ce que des gens ont essayé de s'enfuir? The people Est-ce que c'était tried possible to escape? De sauter was du camion? It possible to jump off the truck? But answer. No one dare to escape. Personne n'a osé s'échapper. No one dares to do so. Bien, vous avez parlé de 77. Fine, you spoke Est-ce que about vous 1977. Vous souvenez Do you remember la saison the season durant laquelle ce déplacement vers Tramkak a-t-il eu lieu? Displacement to Par exemple, est-ce que c'était la place. Saison des pluies was it the rainy ou la season, saison for sèche example, or was it the dry season?
It was a dry season. C'était la saison sèche. Est-ce qu'à votre connaissance, ce déplacement de l'ensemble du 17 avril du district de Kirivong vers Tramkat s'est fait sur une seule période ou plusieurs périodes? It happened only during that time. Cela ne s'est passé qu'à ce moment-là. Toujours concernant cette année 77, pour essayer de clarifier 77 la again, période, in order to try to have more clarification about this period, can you tell us dans la première moitié de l'année 77 ou la seconde moitié de during l'année 77? The first half of 77 or during the second half of 1977? President, maybe civil party, please wait, and Council Kong Samon, you have the floor. Kong Samon, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I think the question shall not be repeated, as the civil party has already responded. Les questions ne doivent pas être répétitives. La partie civile a déjà répondu à cette question. Elle a déjà parlé de ce qui s'est passé. A better question would be as to which month in late 1977. Il faudra peut-être demander quel mois fin 1977. Oui, peut-être, mais comme yes, perhaps. Le parti civil a dit, since the civil party spoke about the dry season, and the dry season goes from November to May, so I wanted things to be clear with regard to that. But I can reformulate the question. Do you remember, therefore, the specific month or the specific period in 1977 when you were transferred to Tramcock? Vous en souvenez-vous pas? Or do you not remember? But it was likely in September or October of 1977. Je voudrais maintenant vous lire un extrait du livre de Ben Kiernan, qui est le document E3, which is document 1593. Ce livre porte le titre Le génocide au Cambodge. Book is called Genocide et in la page qui m'intéresse en anglais c'est 00 6 7 8 5 8 0. En français 00 6 3 8 9 4 4. Et en khmer 00 6 3 7 6 4 7 jusque 4 8. Alors, je cite un extrait. And I'm going to quote an excerpt. Pendant ce temps, free translation, during this time, les habitants de Phnom Penh, évacués Phnom Penh, à Kirivong, who had been evacuated to Kirirom, subirent une nouvelle déportation en sens inverse. Deportation in the opposite direction. Au début de 1977, Sarun remembers, tous les peuples nouveaux de Kirivong furent envoyés par milliers se forger dans le district de Tramkok. Ils, donc les Khmer Rouges, redoutaient que nous nous réfugions au Vietnam. Lorsque Sarun et les peuples nouveaux vinrent de Kirivong, on créa une catégorie encore inférieure au peuple nouveau de l'endroit. Les nouveaux arrivants, donc à Tramkok, devinrent des « bandits », entre guillemets. Bandits, entre parenthèses, en khmer, chao prey. Vraisemblablement parce qu'on leur imputait l'intention de se réfugier au Vietnam. Sarun se souvient, nous vivions dans d'autres villages que les peuples nouveaux de l'endroit qui mangeaient mieux que nous. And the new people ate better than us. End of quote. Free translation. Cet extrait d'un livre de Ben Kiernan parle Ben Kiernan, de milliers de personnes du peuple nouveau de Kirivong
from Kirivong who were transferred to Tram Kok in 1977. Do you agree with this estimate of several thousands of people? Yes, it is likely that the number was up to hundreds or thousands. Il est probable que I was put onto a vehicle and sent to Tram Kok district, and there were more tracks coming after I arrived. Comme je l'ai été moi-même, je sais qu'il y a beaucoup d'autres camions qui m'ont suivi. Dans cet extrait, on dit que votre groupe, donc des 17 avril venant de Kirivong, était en quelque sorte traité moins bien que le 17 avril du district de Tram Kok. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté vous-même? Yes, my observation was similar to that. J'ai eu les mêmes, j'observais la même chose. At that time, we were categorized into different classes. Nous avons été classés. There were full right group. There were candidate people group, and we were in the third group, that is the depositee group. Est-ce que parmi les confiés, est-ce que vous avez pu constater que vous étiez traité différemment de ceux qui étaient déjà installés à Tram Kok, par exemple, en termes de nourriture, de conditions de travail, de conditions de vie? The workload was similar. As everybody had to work. Était similaire. Tout le monde devait travailler. And as for the food ration, we were only given watery gruel. For example, a can of rice was cooked in a large pot for 8 people, and everybody had to eat the gruel. President, it is now appropriate for a short break. The chamber now take a 20-minute break and return at 10:30. And court officer, please assist the civil party during the break at the room for the witnesses and civil parties, and invite the civil party and the TPO representative into the courtroom at 10:30. The court is now in recess.